Salut, c'est Thiro, bienvenue sur Music Your Life. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais te montrer une fin de Solea. J'avais déjà fait une vidéo sur la Solea, même plusieurs si tu fouilles sur le blog, mais j'en ai fait une vraiment où je t'explique, je te décortique toute la Solea. Tu peux la retrouver ici en cliquant sur le petit i comme info. Donc la Solea, pour rappel, c'est un des palos, un des styles de flamenco, et c'est vraiment un palo extrêmement important. Surtout parce qu'il plante en fait la grande mesure de 12 temps. Et en plus de ça, c'est un style très expressif parce que son tempo et son esprit permet vraiment de passer toutes les techniques de jeu et voilà, de faire en sorte que ce soit vraiment, vraiment quelque chose de très expressif. Lorsque je t'avais montré la première Solea, on était resté vraiment très scolaire et je t'avais pas montré de fin particulière, si ce n'est une fin traditionnelle peut-être. Et en fait, les fins plus modernes, ils accélèrent et ils tombent sur quelque chose d'autre et c'est vraiment, vraiment super sympa. Alors, cette fin pour Solea, c'est la fin de Vicente Amigo, du morceau Tio Arango, qui est le dernier morceau de son premier album, en fait. Et c'est super cool parce que ça permet de jouer des rasgueo de double croche, en fait, de 2x4 doubles, ininterrompus. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est bien, et c'est pas un mouvement qui est forcément hyper facile à jouer, donc ça permet de s'exercer sur ce mouvement. La suite d'accord, elle est juste sublime, et on sent qu'il y a une ligne de chant. Enfin, je te la montre plus lentement, et je t'explique tout. Donc on démarre comme ça, la trame est la suivante, on démarre sur Ré mineur 9. Parce qu'en fait sur la corde de Sol, à travers tous les accords, c'est là que va apparaître le thème, et le thème c'est le suivant. Ok, donc tu as cette ligne de chant sur ces accords là. Ré mineur sur lequel on ajoute ensuite la septième au niveau de la main droite. Et rythmiquement, donc voilà ce qui se passe. On part sur le 1, premier temps de la mesure de 12 temps, et on marque les accents sur les temps importants de la solea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors ce qui se passe à la main droite, c'est pas forcément super évident, mais ça va justement permettre de bien s'exercer là-dessus. Il faut faire en fait un rasgueo. Moi je fais un rasgueo avec 3 doigts, et qui me permet de le maintenir en fait en continu, en double croche. Donc pour le rasgueo, annulaire en bas, majeur en bas, index en bas, index en haut. Voilà mes 4 doubles croches. Le plan en alsapua, il est sur mi 7 9 bémol. Et la cadence de fin.
pour cette fin de Soleá de Vicente Amigo parce que franchement, elle est géniale. Je trouve qu'elle déglingue. Quant à moi, je te dis à très très vite sur Music Your Life. Ciao.